fait, en dehors de statistiques qu'on peut avoir en tant que dirigeant d'entreprise, j'étais très attiré pour avoir de visu, par échange direct, la véritable pensée de nos concitoyens quant à l'entreprise. La discussion que nous avons pu mener était d'abord extrêmement fluide, extrêmement enrichissante et sans aucun tabou. Un certain nombre de sujets ont été abordés, des sujets qui ont été liés notamment à cette crise sanitaire. Je pense à toutes les réflexions en matière de télétravail, notamment, mais aussi des réflexions plus larges, notamment sur le partage des richesses en entreprise. Et ça, c'était quelque chose de très enrichissant dans cet échange. Enfin, les concitoyens ont aussi évoqué, ce qui est peut-être plutôt une notion nouvelle, le rôle de l'entreprise vis-à-vis de l'intérêt général. Et si ceci est pour moi quelque chose de très précieux, puisque Clésia est une entreprise à mission, ceci ne fait que nous conforter dans notre stratégie. Mon premier ressenti sur cet échange est qu'il faut renouveler l'expérience. C'est très addictif comme échange et c'est très enrichissant. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, ce qui était à la fois une vraie prise de conscience, c'est bien la différence que perçoivent les Français quant à la PME, la TPE, l'artisan, sur lequel il y a une grande confiance, une grande proximité. Et quelque part, avant discussion, les choses s'améliorent bien évidemment avec l'échange, mais la sévérité avec laquelle les Français jugent les grandes entreprises, sur lequel il nous faudra agir à la fois de pédagogie et d'explication de texte par rapport au rôle de ces grandes entreprises, de ce qu'elles apportent réellement à l'économie et aux Français en général.